Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui sur le MO5 et sur un code tout simple. Un code tronc commun pour accompagner la sortie de The Spectrum de Retro Game. Pour tous ceux qui ont eu la chance d'acheter The Spectrum, vous allez pouvoir vous dégourdir un peu les doigts en basique sur votre machine avec ce petit code qui est du basique tronc commun, mis à part les variables. Où il me semble que sur le Spectrum, on doit rajouter l'instruction late devant. Sinon, mis à part aussi une 7.00, 7.00, qui est là pour la couleur d'écriture, de fond, etc. Je vous laisserai faire la conversion sur votre Spectrum. Allez, c'est parti, je vous montre ce que ça donne. Alors, c'était un petit jeu, c'est sur le principe du plus ou moins. C'est plus grand ou plus petit. Voilà. Allez, ça s'appelle décollage de l'astronef. Gravitation est égale à 1. On fait taper la poussée. On va marquer 50. C'est trop grand. 25. Trop grand. 10. Trop petit. 15. Trop petit. 20. Trop grand. 17. Trop petit. 18. Ah, c'est bon, on peut décoller. Et on recommence. On peut même rajouter des statistiques entre deux, puis savoir combien de fois on a gagné ou combien de fois on a perdu. On va essayer une fois pour voir. On va taper 100, trop petit. Ah, vous voyez, là, c'est déjà différent. 500, trop grand. 300, trop petit. 350, trop grand. 340, trop petit. 344, trop grand. 142. Et bon. Allez, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer un peu le code. Je fais la liste. Alors, ça efface l'écran. On affiche l'écriture en blanc et le fond et le border en noir. On affiche print et collage de l'astronef. G est égal à INT RND. M est égal à INT RND. On choisit des chiffres au hasard. On rappelle que G est égal à INT entier, hein. RND multiplié par 20 plus 1. Donc, on va choisir un chiffre. Le M, pareil. R est égal à G multiplié par M. La gravitation, c'est G. C'est le chiffre qui sera sorti au hasard. Print, taper la poussée. On ouvre une boucle de C à 10, c'est-à-dire qu'on aura 10 chances finalement de trouver le bon chiffre. On inscrit notre chiffre, on fait la comparaison. Si P est supérieur à R, qui est le résultat recherché, alors on affiche trop grand. Si P est inférieur à R, alors on affiche trop petit. Si P par contre est égal à R, alors on va directement à 190, print, c'est bon, décoller, et on reprend à Gotovin. Sinon, si tant que C est différent de 10, alors print, essayez à nouveau. Next C, on fait une boucle. Mais s'il est plus, s'il arrive à 10 ou à 11, si ça fera le 11e tour, alors ça sera marqué, vous avez échoué, les extraterrestres vous ont tué. Vous pouvez marquer ce que vous voulez. Vous voyez, c'est un code basique très très simple qui va vous permettre de vous faire la main ou de vous refaire la main. Tranquillou, sans avoir à taper 5000 lignes de code pour vous échauffer. Là, c'est vraiment tout simple, c'est le principe du jeu, plus ou moins. Un chiffre tiré au hasard, enfin le hasard sur le MO5, c'est pas tout à fait ça. Mais on va dire que c'est un code tout simple pour faire un peu la main dessus. En tout cas, le Spectrum, personnellement, je m'y suis pris trop tard. Je vais attendre qu'il ressorte, parce que là, il est bloqué de partout. Enfin, il n'y en a plus, en rupture de partout, sauf les revendeurs, bien sûr, qui m'ont acheté à pas cher et qui veulent revendre le double. Enfin, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ce code va pouvoir vous servir. C'est pas très long à écrire, hein, ça prend 5-10 minutes. Ça fait l'effet que ça fait. Il est ce qu'il est, c'est pas non plus, mais ça peut vous mettre le pied à l'étrier, vous donner envie de faire des choses après beaucoup plus poussées sur votre Spectrum.
Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Allez, salut.